Allô, allô! Ciao, comme ça allez bien! Bienvenue dans un autre vlog chez nous! Allô! Allô! Vous m'excuserez la belle chevelure de je me ne suis pas coiffée aujourd'hui. J'avais ma célèbre mom bonne sur ta bataille. Je sais, c'est pas pour moi. Même si que. J'ai payé 100$ pour faire mes cheveux. Hein? Je continue quand même à mettre une mambe. J'espère que vous allez bien. Là, vous éclairez. Ben oui, hein, Seigneur, hey, on commence le vlog en force. Vous excuserez l'angle et l'éclairage bizarre. Parce qu'aujourd'hui, c'est épisode On cuisine avec Karine. Fait que je suis en pleine préparation du souper. Puis aujourd'hui, mes parents ne viennent pas souper ici pour croire, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Autre que la fin de semaine, parce que la fin de semaine, des fois, mes parents sont occupés. Ça fait qu'ils ne viennent pas souper ici. Mais c'est ça, sinon, c'est rare que ça arrive. Fait que j'avais prévu le coup et j'ai acheté quelque chose pour faire les pâtes TikTok encore avec le boursin. C'est notre préféré. Puis ça a donné d'avoir qui sur Instagram. Puis Mylène a fait la même chose. Mais elle a combiné les deux. Elle a combiné le feta puis le boursin. Fait que je suis sûre que ça doit être vraiment bon. Fait que c'est ça. On commence le vlog maintenant. Il est 5h. On est lundi, un lendemain de tempête. Wow, que je ne voulais pas voir ça à matin. Ça a été toute une fin de semaine. Hein. On a été gâtés en neige, même si je n'aurais pas ça gâté. J'ai fait un post sur Instagram un matin. Puis j'ai fait un hashtag Mother Nature is drunk. Parce que là, c'est une tempête de printemps, premièrement. Puis comme toute la journée, là, ça a été de la neige, absolument en pluie, pas en neige, puis le fait beau soleil. Je comprends zéro ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ça. Le soleil, par exemple, je vais le prendre parce que je veux que la neige parte. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon outfit de je cuisine. C'est ma tenue sur les attachés, par exemple, parce que je peux pas m'endurer la tête de cheveux aujourd'hui. Je suis encore en train de m'habituer à avoir les cheveux lousses. La petite est encore en train de tout tamponner mes cheveux. Ça fait que c'est ça. C'est faut encore que je m'habitue. Fait que c'est ça, c'est une fin de semaine tranquillos, malgré que ça a été une grosse fin de semaine. On a été en ville faire aussi. Là, j'excuserai le bruit, là, mais mon Malek, là, il est sur la débauche, bien tête. Faut pas juste jouer avec ses jouets tranquilles, puis les garoches, puis faire du bruit avec. Fait que c'est ça, c'est dur sur les jouets. Malek, regarde maman ici. Tranquille avec les jouets, s'il te plaît. C'est ça, c'est mon bruit de fond, c'est Malek. Cadeau que je pourrais vous dire le matin. Pour ceux qui voulaient avoir un suivi de qu'est-ce que j'ai acheté pour mes earbuds wireless que je me cherchais, que je vous avais demandé des suggestions, j'ai finalement opté pour les Skull Candy. J'ai eu beaucoup de bons commentaires dessus. Sinon, il y en a beaucoup qui ont dit que vous venez du même coin que moi. Il y en a beaucoup qui ont dit que chez Boudron, Petro-Canada, il y en avait des vraiment bons aussi. Vraiment bons, pas chers. Fait qu'il y a ça aussi. Mais ceux-là ont. Tu veux pas manquer sur mon pantalon? Ceux-là ont revenu beaucoup. Puis ils étaient en spécial au La Source. Fait que j'ai été les chercher là. Cette chose, je les voulais noir, puis ils avaient juste gris. Mais regarde, on va faire avec la couleur. Ben c'est ça. Aujourd'hui, on va cuisiner les fameuses pâtes. La seule chose que j'ai rajoutée aujourd'hui, c'est. Ça fait deux jours qu'on fait le même repas.
Puis ça fait deux fois que Pierre-Luc dit qu'il manque de protéines. Fait que là, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre du poulet. J'ai mis du poulet au fourneau avec des épices souvlaki de Épicure. Fait que j'ai mis ça, j'ai mis des oignons, j'ai mis sel, poivre, puis je pense que c'est tout. Je te dis que j'ai toute une farce, moi aujourd'hui, on dirait que j'ai chaud. J'ai les enfants autour de moi, c'est toute une journée. Là, la prochaine étape, c'est de faire. La prochaine étape, c'est de faire les pâtes. Et boy, je vous dis que c'est pas la meilleure place que je vous ai mis, mais c'est proche du poil, c'est sûr. La prochaine étape, c'est de faire le boursin. J'ai encore pris celui-là, basilic ciboulette, il est vraiment bon. J'ai pas checké ailleurs, c'est qu'il a mis ailleurs, mais je sais qu'au Sobeys, ils l'ont. Fait que ça va être ça. Puis au lieu de faire des petites pâtes papillons, j'ai pris les pâtes de pillage. C'était ça qui est en spécial, fait que ça va être. Vous apportez avec moi. Probablement que je vais continuer à filmer demain. Si tu peux faire beau. Si qui peut faire beau, continuer mon ménage du printemps. La petite a eu des petites robes d'été de ma maman. Fait que j'aimerais faire une petite place dans le garde-robe puis toutes les installer. Toutes les cordées. Je suis free de même, j'aime les cordées en ordre de couleur. Puis que ça soit tout. Fait que c'est probablement ça que je vais faire demain. J'ai pas checké qu'est-ce qu'il y en a. Mon petit Anthony, là, il sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut embarquer, il veut pas embarquer. Je pense que je sais qu'est-ce qu'il veut, genre, ça peut bien venir. Pas tout de suite. Il annonce-tu beau demain? Je sens que dans les vlogs, j'ai checké la température avec vous autres aussi. Demain, il annonce plus 4 avec du soleil. Donc, je pense que ça va me donner le coup de faire un petit peu de cleaning dans la garde-robe. La petite, là, il manque pratiquement plus rien là, avec les robes qu'elle a eues. Je pense qu'elle va être correcte pour l'aider. Puis les gars, bon, tu vois, ils commencent à mouiller de nouveau. Je comprends vraiment pas la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'on a toutes eu différentes saisons toute une journée. Ils ventent comme si ça serait l'automne. Ils mouillent comme si ça serait le printemps. Il fait soleil comme si ça serait l'été. Puis tout à l'heure, il neigeait. Donc, je vous dis, je pense que Dame Nature a viré une brosse hier soir. Ok, je vais préparer ça. Mon poulet, je vais vous faire montrer ce qu'il est cuit, là, parce que j'ai juste garoché ça dans une rôtissoire avec des épices. Et puis mon poulet était même gelé, ça fait que je ne sais même pas si ça va donner. Ok, c'est ça, on va préparer ça. On se reparle de nouveau. Je vous ai pas parlé depuis hier, depuis qu'on a fini le souper. C'était trop bon. Trop bon notre souper. Dans le wrap, j'avais fait cuire du poulet, là, puis j'ai tout effiloché, puis j'ai écrasé de l'avocat dans le fond. C'était trop, trop, trop bon. Fait que c'est ça. La nuit a été pouet-pouet. La petite s'est réveillée extra souvent.
Je me suis couchée trop tard parce que j'ai écouté Chicago Med. Ça, c'est ma faute, regarde. Fait que c'est ça. Et là, la pitoune, elle s'est réveillée de bonne heure, c'est qu'elle est déjà couchée. Yeah. 9h30. Je suis en train de boire mon pré-workout. Puis finir le vlog à Mylène. Puis après ça, là, je vais enlever mon pyjama. Puis je vais aller m'entraîner. Sinon, beau soleil dehors, là, non, ça fait trop du bien. À matin, là, j'ai fait mon café puis j'ai été m'asseoir direct dans les rayons du soleil. Là. Ça a trop fait du bien. Moi, là, la chaleur du soleil. Là. Puis dernièrement, je vois beaucoup du monde sur Instagram là, qui s'imagine comme ce qui serait dans le sud. Puis ça, là, moi, j'ai été deux fois, fait que je suis pas... je crave pas ça à chaque année là, parce que j'ai juste été deux fois. Mais les deux fois que j'ai été, c'était trop le fun. Ça fait que je peux imaginer ceux-là qui sont des habitués, comment vous ennuyez de ça. Mais ça va venir, là, je sais pas. On va éventuellement pouvoir voyager de nouveau. Fait que c'est ça. On dirait un matin là, avec les rayons de soleil, on dirait ça met de bonne humeur. C'est... Ben, vous savez. Hein. Moi, là, je marche avec la température dehors. C'est qui fait pouet-pouet dehors. Mon humeur est pouet-pouet. C'est qui fait beau. Salut! C'est qui fait beau. Je suis une bonne mère. Fait que là, comme j'ai dit, hier, je vais aujourd'hui faire le ménage du garde-robe des enfants. J'irai pas dehors parce qu'il fait encore frette, même s'il y a un beau soleil, il fait froid. Puis c'est ça. Je pense que mes parents vont venir souper ici à soir. Je l'aurai pas parlé encore. Mais je pense que j'ai plus besoin de vous le dire. Vous savez qu'ils m'ont tout à mon avis. Fait que c'est ça. Il est en train de manger de la glace. Fait que c'est ça les plans pour le reste de la journée. Fait que ça, on va s'en aller faire ça. Pour le dîner, je nous ai fait une belle tartinade de poulet. J'ai pris mon poulet effiloché, au lieu de faire juste un sandwich au poulet effiloché, j'ai pris mon poulet, je l'ai mis dans mon... Là, ça a vraiment pas l'air appétissant, là, mais c'est vraiment bon. Je l'ai mis dans mon mixeur, puis j'ai blendé ça avec de la mayo. Puis, c'est ça, je vais mettre ça sur mon pain. À mes yeux et à mon goût, le meilleur pain, c'est le bon matin. Je l'adore. Je trouve que il goûte pas le brun, puis il est vraiment moist. Fait que c'est ça. Fait que petit truc pour faire une bonne tartinade de poulet. Tu passes ton poulet dans le blender. Puis je vais rajouter de la céleri. Ça va faire un petit croquant. Fait que c'est ça qui va être notre dîner. J'ai pas encore pu prendre ma douche. Non. Je suis encore en linge de sport. Mais je me suis appliqué un masque dans le visage parce que dernièrement. Je trouve que ma peau est vraiment out of control. Je sais pas si c'est parce que je fais des workouts. Je vais vous montrer ça, c'est des workouts, là, mais c'est peut-être pas. Ça n'a peut-être pas rapport à penser. Mais je me dis que ma peau sue plus puis que ça bouche mes pores. Je me suis diagnostiquée moi-même. Fait que c'est ça. Je me suis placée un masque. J'utilise celui-là de Arbonne. Je trouve que ça fait comme un effet de fraîcheur là, quand tu l'enlèves. Tout de suite, ça feel comme si j'ai tombé la face première dans le ciment. Mais après ça, ça feel mieux. C'est que c'est ça. Je l'applique avant d'aller dans la douche, comme ça. Hey, toi! Comme ça, c'est plus facile. Là. J'en parle juste dans la douche, je me frotte la face. Puis c'est fini. Fait qu'on va attendre que ça fait effet. Il faut que ça sèche. Là, mais c'est vraiment dégueulasse. Je peux pas croire que je fais montrer ça.
ça fait du bien. Je le fais assez pas souvent. Qu'on dirait là, ça m'a pris 45 minutes par exemple. C'est long. Mais je suis à des résultats. C'est qu'on dirait que je le fais assez pas souvent que je perds la touch. Fait que là, faut tout que je réapprends comment le faire à chaque fois. Mais je suis à des résultats. Donc là, ça, bon, ça fait paraître mes mèches plus. Ça fait du bien de se sentir belle des fois. J'ai sorti une petite robe d'été, une robe t-shirt, là, bien pleine, que j'avais acheté, je pense que c'est pas l'année passée, mais là, je l'avais pris au H&M. Fait que ça fait du bien de se sentir belle. Hein? Faut faire ça des fois. Pas trop souvent parce que moi, j'ai pas le temps, mais quand j'ai le temps, je le fais. Fait que là, pendant que les enfants dormaient, j'en ai profité. Là, la petite fait dodo. C'est son heure. Puis, son heure de sieste. Puis, Malek, ben, lui, ça fait comme 3-4 jours qu'il skip ses siestes. Pour aucune raison. Il dort juste pas. Puis là, il fait des pirouettes dans son lit. Pourtant, il est fatigué. Ça doit avoir à faire au fait qu'il se lève plus tard le matin. Mais là, je suis en débat à savoir si je le lève plus tôt le matin ou je le laisse dormir puis je skip sa sieste. Je suis comme pas certaine. J'aime qu'il fait sa sieste parce que rendu à comme 5-6 heures, là, il est plus du monde. Je pense qu'il pourrait, là, il marcherait sur le plafond. Fait que là, je pense que je vais essayer de le lever plus de bonheur. Pour voir si ça va, ça va changer. Sinon, là, je vais ramasser ma vaisselle que j'ai lavée hier. Puis ensuite, je vais appeler mon papa, savoir s'ils venaient manger ici. Puis ensuite, je vais attaquer le garde-robe des enfants. C'est comme dur à faire, on dirait, parce qu'à chaque fois que je veux le faire, c'est l'après-midi quand les enfants sont couchés, mais Malik est couché dans la chambre. Fait que je peux pas aller faire ça. Fait que là, je sais pas si vous voyez, là, mais Anthony est couché juste là. Là, il est sur sa tablette. Faut que j'y achète des écouteurs, là, vous comprenez même pas, là. Sa tablette, là, lui, il y a juste un piton, puis c'est le volume horaire. Mais c'est parce que il est pas tout seul dans la pièce, là, comme le volume au bout, là, non merci. Fait que j'ai vu des écouteurs au Walmart, puis je pense que c'est ça, je vais les pogner pour sa fête. Sa fête est le mois prochain, ben, pas le mois prochain, mais le mois de mai, non, tout. On le fait avant. Puis je pense que c'est ça, je vais les pogner. Des écouteurs wireless, juste comme un headphone, là, pour que tu rentres dans les oreilles, pour qu'il puisse watcher sa tablette. Je pense que c'est ça que ça va être. Je vous ai pas parlé de mon épicerie que j'ai faite. Ah ben, plus quand? Jeudi. En tout cas, j'ai trouvé ces soupes-là au Walmart. C'est la marque, la même marque que les Sidekick. C'est Red Curry. C'est une soupe thaïlandaise. I guess que tu mets juste de l'eau. Puis de l'eau chaude, là. Tu le brasses. Tu fermes le couvert de nouveau, puis tu le laisses là 5 minutes, puis c'est marqué, tu enjoy. Je pense que de là, c'est ça que je vais me faire. Puis j'ai aussi pogné l'été s'en vient, puis nous autres au camping, les enfants boivent beaucoup d'eau parce qu'on est dehors tout le temps. Puis là, j'ai vu ces trop cute bouteilles-là, pareil, au Walmart. Puis j'en ai pogné deux comme ça pour les gars, puis j'ai pogné une petite violette pour la pitoune. Et puis qu'est-ce que j'aime? Moi, là, des bouteilles, je trouve ça dégueulasse quand il y a des veines, puis la moisissure rentre dedans. Moi, là, ben pas rentre dedans, mais ce foam, là, à la longue, non. Moi, je suis pas capable de bien le laver. Je ne la jette pas. Puis ceux là, c'est comme juste un couvert en silicone, puis que comme ça décolle tout, puis c'est juste un petit morceau. Tu laves ça vite fait. Tu peux le sécher. Puis le remettre là, fait qu'il y a comme vraiment moins de risque de moisissure. Que je suis pas mal satisfaite de ces bouteilles-là. Je pense qu'ils sont comme 14,99 chaque. Fait que j'aimerais bien avoir les Quantico du Costco, mais vous savez, hein. Le Costco, c'est pas près de chez nous. Fait que je peux pas y aller comme que je veux. Fait que c'est ça. J'ai une addiction spéciale cette semaine aux biscuits à la menace. Grâce aussi de mes parents qui ont apporté une panne au complet de biscuits. Mais comme, je peux être des boulines sans en manger, mais aussitôt que j'en mange un, je finis. Je mange la boîte au complet. C'est pas utile. C'est trop bon.
Regarde. C'est qui le petit garçon qui dort pas? Dis-tu allô? C'est-tu toi qui dort pas? C'est Nini. Je suis sûre que c'est Nini. Nini, il a pris un. Ah, Nini dort pas, hein. Pourtant, c'est toi qui es couché. C'est Nini. C'est ça, c'est le coup, la crise. La crise? Salut, comment ça grandit vite. C'est quand je fais le ménage de leur linge, je m'aperçois à quel point que le temps passe vite. Comme ça, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait le ménage, comme du linge de la petite. Comme tu sais, regarde ça, c'était son pyjama Noël. Ça avec les petits pantalons. Avec le petit chandail. Comme. Puis même les gourdes. Comme j'avais acheté ça cet été. Ça lui fait déjà plus. En tout cas, j'ai fait pas mal de ménages que je voulais faire. J'ai quand même une bonne pile de linge qui a débarqué de la garde-robe puis de leur tiroir. Il va rester une couple d'affaires pour les goules à faire, là, mais la petite est slavée et réveillée. Et que je continuerai ça plus tard. Oh. Pendant 10 jours, je l'entends. Quand on se réveille, je vais parler à mon papa, puis on va manger des pilons de poulet pour souper. Il a trouvé un spécial, j'ai pas trop compris où. Il m'a appelé, c'est une panique, il dit que ça, tu réponds pas tes textes. Puis son sel pognait pas parce que j'ai reçu aucun texte. Puis probablement, ça a rentré tout d'une shot, puis probablement quand il a sorti du magasin, que là, je les ai tous reçus. Fait que c'est ça, il a trouvé un spécial, c'est des pilons de poulet. Je pense qu'on va manger ça avec des frites. Puis. Ça fait du bien. Là, j'ai mis. Ah, baisse le volume. Baisse le volume de ta tablette. Il faut sérieusement acheter des écouteurs. Bon, vous voyez tout croche tard. Et brou, 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 brou. Oui, tu veux? Oh boy, non. Ce sera pas long. Je vous installe à nouveau. Mon petit Malek, c'est assez pesant. Et fait que c'est ça. Là, je m'en souviens même pourquoi je vous le dis. Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'ai mis une bunch de stuff à vendre sur Marketplace pour essayer de me débarrasser. J'essaie de comme débarrasser le linge à mesure que ça ne fit plus. C'est de valeur parce que la petite, je trouve qu'elle tâche plus son linge. Je sais pas si c'est juste le fait qu'elle a du linge plus pâle, mais je trouve qu'elle tâche terriblement son linge. Puis j'ai de la misère à le détacher. Les gars, il me semble que, comme de toutes les 16, on dirait que la plupart du linge était encore bon. Tu sais, parce que j'ai réutilisé le linge que j'avais pour Anthony pour m'aller. Il me semble qu'il était pas autant taché que ça. Là. Fait que je sais pas si c'est juste une affaire de comme linge de petite fille, mais en tout cas, son linge est taché. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui est plus bon après qu'elle l'a utilisé. Mais j'ai quand même une coupe d'affaires que je peux vendre parce que là j'ai comme plus besoin de sauver du linge. Je pense que je me suis mindée à plus avoir d'autres enfants. Ben on s'est mindé mon Pierre-Luc qui est plus mindé que moi là, mais à plus avoir d'enfants. Mais j'ai encore un petit espoir que peut-être
bébé 4 arrivera éventuellement, mais regarde, on est quand même content avec notre belle famille. Mais ouais, fait que là j'essaie de comme débarrasser toutes les affaires. J'ai vendu mon tire-lait, j'ai vendu le jumper à la petite. Fait que là j'essaie de comme débarrasser les choses avant l'été, parce que cet été, ben c'est ça, on va être occupé au camping. Fait que, ouais, mais c'est dur sur le cœur de maman. Pendant que je nettoie mon diffuseur, je suis à la recherche de la prochaine huile que je vais acheter pour mes dents. Et de la compagnie de Terra, là, c'est cette huile-là que je préfère. C'est que c'est ça, si vous en avez à la maison, que vous avez déjà essayé, que vous avez des idées ou des suggestions de quelle je devrais acheter, j'apprécierais. Tout de suite à la maison, j'ai Serenity, On Guard, puis Adaptive de cette marque-là. Puis c'est ça, j'ai déjà quelques idées de quelles j'aimerais, là, mais j'aimerais bien avoir vos opinions. Et que c'est ça. Donc, merci. Je peux aussi vous dire comment que je nettoie mon diffuseur en tant qu'être dedans. Moi, je le rince juste à l'eau. Puis après ça, là, je viens nettoyer, je démange toutes les petites parties, comme ça, puis je viens nettoyer puis essuyer partout. Parce qu'après un bout, je m'aperçois qu'il commence à moins bien diffuser. Fait que j'essaie de le faire à toutes les semaines, ça puis en dedans ça aussi. Et que c'est ça, puis celui-là, là, c'est de loin mon diffuseur préféré parce que il est portatif. Tu peux l'avoir sur la charge ou tu peux l'avoir l'emporter partout dans différentes pièces. Je l'aime bien gros. Ils sont chers là, mais ça vaut la peine. On se retrouve dans ma chambre. Ma maman vient d'arriver avec la petite robe que je m'étais commandée. Ça fait que c'est la boutique. Ouais. Tu veux te faire montrer ton pyjama, mémé? Va faire montrer, vite! Ok, ben va pédaler, voir mémé. Comme ça. Fait que c'est la boutique Ruffle Roses. Là. Puis, elle a une page Instagram. Je sais pas ce qu'elle a une page Facebook. Ça serait à vérifier, mais je mettrai le lien de sa page Instagram dans ma description. Puis, c'est ça, elle a posté des spéciales le matin. Puis, j'ai pas pu résister. Ça fait un bout que je spot des choses que j'aime. Elle a des beaux petits chandails comme de printemps-été, là, comme juste trop beaux. Mais, c'est ça, j'attendais de voir plus proche de l'été. Voir qu'est-ce que j'allais acheter ou pas. Puis là, ben, quand j'ai vu qu'elle avait posté des spéciales, j'ai pas eu chaud. Puis, c'est comme une drôle d'adonnance. J'ai mis un chandail vert, puis j'ai pris la robe verte. Mais, comme, elle est juste trop belle. Je vais faire de la couleur. C'est comme un petit peu plus vert. C'est pas tout à fait le même vert. C'est plus un vert flashy que mon vert ici. Mais, elle est juste trop belle. Puis, elle a des petites... Oh, ouais, elle a une petite poche chaque bord. C'est ça, puis elle est comme juste fluffy dans le bas. C'est à longue manche, mais comme elle était juste trop belle pour pas que je la prenne. Je pense qu'elle était 24$ là, avec le rabais. Ça fait que je vais aller essayer ça tout de suite. Ta-da! Là, il va falloir que je fais des prouesses pour faire montrer, là. Mais, et ça, avec des petites poches, les manches sont, elle est vraiment confortable, mais les manches sont beaucoup trop longues. Ça fait que je vais demander à ma belle-mère, elle est la pro de la couture, ça fait que je vais lui demander juste qu'elle les raccourcit d'un bon, un bon bout de cou. Mais autre que ça, je l'aime. Confortable, puis elle est longue assez en arrière, elle est plus longue en arrière qu'en avant. C'est que mon homme va être content, il ne verra pas les fesses quand je me partage ça. Mais ouais, je suis contente, je vous invite à aller voir sa page. Elle a vraiment du beau stuff.
Allô, allô! On est rendu le lendemain. Je me suis aperçue que j'ai tombé endormie. J'ai tombé endormie avant de conclure mon vlog. C'est tout à fait moi. Je suis fatiguée, là, ça n'a pas de sens. Hein. Les enfants dorment mal. Hier, je me suis même mis un épisode d'un midi-mission qui jouait hier soir. Puis, je ne l'ai même pas aperçu. Je pense que je n'ai même pas vu le premier 10 minutes de l'épisode que j'étais déjà out. Malgré que les enfants ont mieux dormi, je ne parlerai pas trop vite, mais la petite s'est juste réveillée une fois, mais hier soir, avant de les coucher, là, on les a toutes crémées. Et les jambes, on leur a fait un petit massage, puis je pense que ça les a aidés à relaxer. On n'avait comme pas le choix de les faire relaxer parce que hier soir, on a fait un petit dance party juste avant de se coucher. Vous pouvez imaginer comment énervés qu'ils étaient. J'ai un petit clip là, que j'ai filmé hier soir avec mon téléphone, là, fait que je vais peut-être le rajouter ici. Mais sinon, ceux qui étaient sur Instagram, ceux qui sont sur Instagram, il me semble que j'ai posté quelque chose. En tout cas, c'était vraiment... Ah ben, je pourrais... Minute, on check ça. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Fait que c'est ça, c'était belle fun, mais rendu à l'heure du dodo. C'était plus fun que ça parce que les autres, ils sont encore sur party, puis nous autres, on voulait les coucher. Fait que c'est ça, ça a été une belle soirée. Mes parents ont venu manger site, mais finalement, mon père a travaillé plus tard, ça fait qu'on n'a pas pu faire les pilons de poulet. Fait que c'est ce soir qu'on va les faire. J'avais un restant poulet hier, fait qu'on a fait du fried rice. C'était vraiment bon. Normalement, Malik le mange, là, mais finalement, il a pas voulu souper. Hein. Fait que c'est ça, ça a bien donné par exemple que j'ai conclu mon vlog aujourd'hui parce que. Regardez. Qu'est-ce qui est rentré? Ma commande de café Nespresso. J'en reviendrai jamais, je pense, à quel point que ils sont vite sur la livraison. J'ai commandé ça lundi, comme vers midi un an, puis c'est déjà rentré. Comme un matin, c'était out for delivery. Comme on s'entend qu'on est mercredi, je pense qu'ils battent Amazon Prime au la main. Fait que c'est ça. Il y a des cafés pour moi, puis il y a des cafés pour ma mamie. Elle n'a pas de machine, mais elle vient faire ses cafés ici, parce qu'elle s'en commande toujours. Fait qu'on va ouvrir ça. Hein? Avec une Nespresso, si tu commandes pour plus que 99$, c'est la livraison gratuite. Puis c'est pour les jeux, comme moi j'adore quand c'est pour les jeux qui viennent livrer. De un, ils vont livrer ça direct à ma porte comparé à Post Canada. Fait que pas besoin de sortir avec les enfants. Puis comme ils sont tout le temps, ben pas mal de temps on time sur la livraison. Fait qu'on va découvrir qu'est-ce que j'ai commandé. Pour commencer, je l'avais commandé la dernière fois celui-là, là, puis je l'adore. C'est le hazelnut. Je l'adore, puis je ne parle même pas que ceci. Ensuite, j'ai commandé un de mes préfs qui est un petit peu plus fort, là, le Audacio. J'ai commandé la collection là, comme Vertuo Intense. Le matin, j'aime bien des petits cafés un peu plus corsés. Ça, c'est à ma mère. Ma mère, ça a juste commandé du décaf. Puis, normalement, je me commande du décaf moi aussi. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que j'ai comme. J'avais la commande à ma mère, puis j'ai vu du décaf, puis je pensais que j'en avais commandé. Mais finalement, c'est toute ma mère qui a commandé du décaf. Moi, je m'en ai pas commandé. Fait que ça se peut que j'ai emballé une coupe. Puis, jusqu'à temps que je m'en commande d'autres. Fait qu'elle, elle a commandé 4 boîtes de décaf. Ensuite, j'ai commandé. Ça, c'est la première fois que j'utilise, mais j'ai entendu qu'il était bon. Le Vanilla Custard Pie. J'ai hâte de l'essayer. Justement, on dirait que j'avais comme le goût de boire un café. C'est que je pense que c'est celui-là qu'il faut me faire. Un autre décaf pour ma mère. Un autre décaf pour ma mère. C'est que c'est un autre décaf. Ensuite, j'ai commandé
Celui-là, c'était une édition limitée. Origine des maîtres. La Completa Refinada. Ouais. Je vais voir c'est quoi. Ouais. Le même ça s'appelle. C'est que j'ai commandé celui-là aussi. Puis finalement, j'ai commandé le Intenso. Ça là, il n'y a rien qui vaut celui-là. Vous voyez vraiment rien pour savoir exactement, mais comme le goût là, c'est pas un goût qui tombe du cœur. C'est vraiment le goût d'un bon café. Vraiment bon. Puis à chaque fois que je parle de ma Nespresso, le monde me demande du temps. Si ça vaut la peine, là, comme honnêtement, là, si vous aimez le café Starbucks, là, c'est comme avoir du Starbucks à la maison tous les jours. C'est aussi simple que ça. C'est juste trop bon et ça vaut trop la peine. C'est sûr que les coupes sont un petit peu plus chères que du café normal, là, mais ça vaut un million de fois la peine. Puis, depuis ma dernière commande, ils ont commencé à donner. Je pense que j'en avais parlé là, dans mon dernier vlog ou un de mes derniers vlogs. Là, ils ont commencé à donner des petits sacs que tu. Tes copes, d'un coup, tu les as toutes utilisées, tu les mets dans le sac, tu remplis jusqu'à la ligne, puis tu apportes ça à la pousse. Puis ils chupent ça de nouveau pour recycler les copes. Fait que je trouve ça pas mal nice. Fait que c'est ça qui est ma commande. C'est sûr que je m'en vais m'en faire un, mais je voulais l'ouvrir avec vous autres avant. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que je vais conclure mon vlog ici. Puis avant que je vous laisse. À matin, je gardais la seal du Heart. Puis, ça fait longtemps, bon, ma mère, là, qu'on cherche ce style de panier-là. Puis, on avait trouvé sur Ikea. Puis, c'est sûr qu'ils l'avaient jamais en stock ou quand on venait à vouloir le commander, c'était comme 20$ de shipping. Là. Ikea, là, c'est ridicule le shipping, là, ça n'a aucun sens. Fait qu'on laissait tout en faire. Puis là, matin, ça a donné que je gardais le flyer pour faire la liste d'épicerie pour en fin de semaine. Les aperçus du flyer sortent tout le temps aujourd'hui. Fait que sur mon app, là, j'ai fait montrer ça dans mon dernier app, dans mon dernier vlog, puis je sais même pas si je vous en ai parlé. C'est l'application Flip. Puis moi, ça fait longtemps que je reçois plus mes flyers ici. Là, le Good Flyer, là, il garochait ça dans ma cour. Il a déjà fait CG par ma mère. Puis sinon, là, ça traînait dans la cour. Puis ça, là, mon nom passait la souffleuse. Puis vous pouvez imaginer le mythe. Fait qu'on a décidé de plus avoir les flyers en papier. Puis j'ai downloadé cette app-là. Pis, honnêtement, là, comme c'est le fun. Tu peux aller, tu t'encercles tes choses. Comme vous avez vu, là, comme circle des affaires. Puis ça, là, tu as une liste avec toutes les choses, toutes les places que t'as encerclées. Fait que c'est pas mal le fun pour ça. Fait que c'est ça, je gardais les seals qui sortent comme pour demain. Puis ça a donné que j'ai tombé sur la seal du Heart. Puis le Heart, je pense que ça sort le mardi. Ça sort pas tout en même temps. Puis les paniers que ça fait, je sais pas combien longtemps, que moi et ma mère, on cherche, étaient en seal au Heart. Fait que j'appelle ma mère, j'ai envoyé un message à ma mère. Tu sais, j'étais comme, regarde, qu'est-ce qu'il y a au Heart? Tu dis. J'en veux un avec plein de points d'exclamation. Là, comme, elle dit, OK, je vais aller voir. Elle m'appelle comme 5 minutes après. Elle m'appelle comme 5 minutes après, là, puis je pense qu'elle était déjà rendue à Berkshire. Puis elle a été voir, puis elle en restait. Fait que je suis trop contente. J'ai pris celui-là. Puis un juste plein avec le bas blanc. Puis celui-là, j'ai mis dans ma chambre, puis la petite fait de loup. Fait que. Mais comme je suis trop contente, je le mets dans mon meuble de TV. Pour dire ça, juste une belle petite touche. Fait que j'étais pas mal contente. Puis en même temps, ma mère, ma fête est demain. Puis oui, je suis là pour son avril. je vais probablement, le vlog va probablement sortir demain. Qui va être, pour vous autres, ça va être la journée de ma fête. Fait que c'est ça, ma fête. Puis je vais avoir 28 ans. Il me reste juste 2 ans dans la vingtaine. Je peux pas croire. Fait que c'est ça, ma mère m'a acheté une partie de mon cadeau. Tout à l'heure. Oh, pédale. Mettez un petit mess. Puis elle a dit que l'autre partie rentrait aujourd'hui. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Mais à la pognée, je vais vous faire montrer.
pas si vous allez voir comme il faut. Les rideaux juste là, c'est comme en espèce de laine, là, je vais vous faire montrer. Comme en espèce de lin, mais comme crème, c'est juste trop beau. Fait qu'elle m'a pris ça parce que ça faisait longtemps qu'elle disait qu'elle aimait pas mes rideaux bruns, comme brun chocolat là, que j'avais là. Fait qu'elle arrivait tout à l'heure avec ça, puis ils sont comme vraiment pesants. Fait que ils ont l'air de qualité. J'étais vraiment contente. J'ai aussi fait un désencombrement de mes décorations. Je suis en train de préparer une boîte pour amener à la roulotte quand ça sera le temps. Avec des petites décorations puis des choses que je vais avoir à la roulotte. Notre toaster puis des choses comme ça. Donc on a en surplus que l'année passée, on avait juste comme pris notre stuff qu'on avait ici, mais là j'en ai acheté d'autres pour la maison. Ça fait que ça, on va apporter ça à la roulotte. Puis fait que c'est ça. Je suis en train de préparer ça. Puis j'ai désencombré là comme fois mille. Mon meuble de TV, là, j'avais trop de petites gogos dessus, là, puis on disait ça me tannait. On disait que ça avait tout en l'air comme pas propre. Fait que j'ai désencombré ça, j'ai shifté les affaires à place. Mon comptoir de cuisine, là, c'était juste rendu trop de cochonnerie dessus. Fait que j'ai tout nettoyé ça. J'ai shifté un petit peu les affaires à place. Fait que ça fait du bien. On dirait. J'ai envoyé une photo à ma mère, j'étais comme, regarde, tu vois que c'est le soleil fait, ou c'est ça qu'il y a du soleil. Je fais du ménage. Fait que. Je vais arrêter mon blabla. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Puis là, j'espère. J'espère que vous n'entendez pas la musique qui est en background pour que ça fait du copyright. Je viens de réaliser après 20 minutes d'avoir parlé que j'ai laissé la musique. Karine de Karine. Je vais aller serrer mon café. Je vais aller m'en faire. Hein. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye! Jouer Carrie by Janis Joplin. D'accord. Okay, Google. Cool. Okay, Google. Good enough. Okay, Google. Carrie, I'll try this job. Janis Joplin sur Spotify. Every kiss.